Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à la même sainteté pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. C'est le don du Christ ressuscité à ses apôtres. C'est ainsi qu'est née notre Église, pour que les uns et les autres, nous devenions des disciples missionnaires qui osent, qui ont le courage, non pas tant dans nos déclarations, mais dans les actes que nous posons, dans les choix de vie que nous décidons de manifester notre foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons que nous sommes pécheurs et que le Christ a offert sa vie pour le pardon de nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, ô Christ, prends pitié. Seigneur, Seigneur, prends pitié.
Seigneur, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Car toi seul es saint. Toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité, que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Philippe, l'un des sept, arriva dans une ville de Samarie, et là, il proclamait le Christ. Les foules, d'un même cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés de leur esprit impur, qui sortait en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres restés à Jérusalem apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors, ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains, afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Il changea la mer en terre ferme. Ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne. Il règne à jamais par sa puissance. Terre entière acclame Dieu, chante le
Seigneur. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois, lui le juste pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, croire que Jésus est le Fils de Dieu, croire qu'il est mort
et ressuscité, c'est ce que nous proclamons en Église le dimanche. Nous le ferons dans quelques instants. Avec le danger de l'habitude, avons-nous suffisamment conscience que la foi caractérise notre manière d'être, notre manière de vivre au milieu des hommes, au cœur de la société. Pour demeurer attentif à notre vocation baptismale, j'ai choisi ce matin d'aborder trois points. Tout d'abord deux questions et ensuite une orientation pratique avec l'encyclique Laudato Si. La première question, qu'est-ce que cela signifie aimer Jésus? La question apparaît à plusieurs reprises sous diverses formes dans les évangiles. Quelques points de repère. Aimer Jésus, c'est le connaître et pouvoir dire qui il est. Ainsi, pour amener ses disciples à exprimer leur attachement à sa personne, Jésus les interroge directement. Et vous, qui dites-vous que je suis? D'autre part, le respect, les gestes d'amitié qu'on lui porte manifestent la considération bienveillante qu'on lui réserve. Connaissant cette scène, Jésus est invité à manger chez Lazare et ses deux sœurs. Marie verse sur ses pieds un parfum de grand prix et essuie ses pieds avec ses cheveux. Aimer Jésus, c'est aussi reconnaître que nous sommes pécheurs. Avec humilité, c'est savoir que nous avons besoin de son pardon miséricordieux. L'apôtre Pierre en est un exemple typique. Le soir du jeudi saint, Pierre craint pour sa sécurité. Il a peur d'être reconnu comme un des disciples. Pierre a pourtant été choisi par Jésus pour être le chef des apôtres. Il nie catégoriquement connaître l'homme que l'on a arrêté. Après la résurrection, Jésus retrouve ses apôtres avec la présence de Pierre, bien entendu. Jésus n'adresse aucun reproche à Pierre. Il ne lui fait pas la morale. Il lui pose une seule question, une question essentielle. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Frères et sœurs, vous connaissez Jésus, vous êtes baptisés. Je vous pose sa question. Aimez-vous Jésus? J'en suis persuadé, j'ose le croire. Chacun de vous, au fond de lui-même, répond « Quelle question de l'évêque ?» Bien sûr, j'aime Jésus. Et au fond de notre oreille, une petite voix murmure « Oui, tu aimes Jésus, mais encore ?» D'où la deuxième question, comment aimer Jésus? Ce serait trop long de développer une réponse à cette question, mais Jésus, précisément dans l'évangile d'aujourd'hui, apporte des éléments de réponse.
Je le cite. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. L'amour, heureusement, ne se mesure pas. On ne mesure pas l'amour de l'époux envers son épouse et vice-versa. Par contre, nous constatons ou pas de véritables signes de l'amour de l'un envers l'autre. Et puis, ne l'oublions jamais, au début de l'Église, les Juifs qui voyaient voir vivre les chrétiens disaient d'eux, voyez comme ils s'aiment. Ce ne sont donc ni nos belles paroles, ni nos bonnes déclarations d'intention qui évoquent notre amour. En toute liberté, les choix de vie que nous faisons, les actes que nous posons révèlent ce que nous portons au plus profond de notre cœur. Les commandements de Jésus, Jésus les récapitule lui-même simplement, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Et pour notre parcours sur la terre, Jésus en quelque sorte trace notre itinéraire pour le rejoindre avec son Père. Aimer Dieu et son prochain comme soi-même. Oui, aimer. C'est ce qui constitue l'être même de Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Il y a entre eux unité et complémentarité. Aucun d'eux ne peut être, aucun d'eux ne peut exister sans les deux autres. Frères et sœurs, nous avons une vocation magnifique. Nous sommes créés pour aimer à la manière de Dieu. En 2020, garder les commandements de Jésus, c'est poursuivre avec lui le combat qu'il a mené en Palestine contre le mal et le péché. Nous sommes trop faibles pour y parvenir seuls. C'est pourquoi Jésus prie le Père de nous donner un défenseur solide, fiable, l'esprit de vérité. Cet esprit qui demeure en Jésus. D'où, quelque sorte, une application, mon troisième et dernier point. J'évoque avec vous cette invitation à aimer Dieu et à aimer Dieu à travers toute la création. Ce n'est pas si loin. Il y a 5 ans, en 2015, le pape François nous adressait une encyclique, Laudato Si, traduisons en français, Loué sois-tu, mon Seigneur. Ce titre reprend le cantique des créatures de saint François d'Assise. Saint François d'Assise loue Dieu pour la beauté de la création qui nous est offerte. Aujourd'hui, notre pape nous interpelle sur la manière dont nous portons malheureusement atteinte à cette création, la manière dont nous la blessons dangereusement.
L'écologie dans laquelle le pape nous engage va au-delà de notre environnement. Il intègre la dimension sociale de la création. Nous le comprenons, il y a pour nous un appel urgent à changer nos manières de penser, de consommer, de produire. Nous devons modifier notre regard, non seulement sur la nature, sur l'environnement, mais aussi sur les êtres humains, en particulier les plus pauvres, les laissés pour compte, en mettant fin au déséquilibre qui existe entre les populations réparties sur le globe terrestre. Alors, l'Église nous motive pour faire de la semaine qui vient du 18 au 24 mai la semaine Laudato Si. Et pour cela, je vous conseille de vous fixer deux objectifs distincts et complémentaires. Un premier objectif dans le domaine de notre vie de prière. Pour cela, nous avons la parole de Dieu, les textes de la création, les psaumes, les passages d'évangile où Jésus met en lumière cette importance de respecter toute la création. Et un second objectif dans le cadre de notre vie fraternelle, en posant un acte de solidarité en direction d'une personne en souffrance, que cette souffrance soit physique, morale, psychologique, ou qu'elle soit dans une grande solitude. Frères et sœurs, en ce mois de mai, nous prions unis à Marie. Eh bien, qu'avec Marie, notre engagement puisse permettre au Seigneur de faire des merveilles auprès des petits, comme Marie elle-même a chanté ces merveilles de Dieu pour son humble servante. Amen. Je crois en un seul Dieu, le Père. Ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Amen. En ce temps pascal, invoquons l'Esprit de Dieu pour que les uns et les autres nous participions à l'œuvre de création qu'il offre pour le bien de tous les hommes. L'amour que Dieu a inscrit dans nos cœurs est indissociable d'une immense tendresse, mais aussi des valeurs de l'obéissance, de l'autorité, de la miséricorde et de la fidélité. Prions pour le monde chrétien, que par son obéissance au commandement de Jésus, il veille à son unité et à la recherche de la vérité. Seigneur, exauce-nous. Esprit de Dieu, intercède pour nous. Viens au secours de notre faiblesse. Esprit de Dieu, intercède pour nous. Viens au secours de notre faiblesse. Prions pour le pape, pour tous nos prêtres et religieux, que leur autorité, accompagnée de leur miséricorde, soit toujours fondée sur la parole du Christ et nous élève par l'Esprit à l'amour du Père. Seigneur, exauce-nous. Esprit de Dieu, intercède pour nous. Viens au secours de notre faiblesse. Prions pour ceux qui nous gouvernent sur cette terre. Qu'ils prennent conscience que seule l'écoute d'un Dieu, conseiller et consolateur, en la personne de l'Esprit-Saint, peut faire régner l'ordre et la justice et faire de nous un peuple en paix. Seigneur, exauce-nous. Esprit de Dieu, intercède pour nous. Viens au secours de notre faiblesse. Prions pour notre communauté, que l'Esprit-Saint, amour du Père et du Fils, nous conduise à toujours prendre pour modèle l'amour trinitaire, pour nous aimer les uns les autres et d'y rester fidèles. Seigneur, exauce-nous. Esprit de Dieu, intercède pour nous. Viens au secours de notre faiblesse. Père, toi qui sais toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi. Exauce les désirs de ceux qui te supplient. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons et il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin,
Fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons et il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles épaules, te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui, se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, hosanna au plus haut des cieux, hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, hosanna au plus haut des cieux, hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, hosanna au plus haut des cieux, hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la Bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Aurin et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, spécialement ce matin pour Madeleine Mustière, Jérôme Éon, Martine Lemarié, Odette Cassius, Jacqueline Soligny, le père Guy Touchard. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Agneau de Dieu
Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie, je vous enverrai l'Esprit Saint, le Paraclet. Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, afin que le Père soit glorifié en vous. Prenez et ceci est mon corps, prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seul. Je vous donne ma vie.
ensemble. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Avant la bénédiction finale, je tiens à remercier les personnes qui sont venues ici prier avec nous et qui permettent que nous manifestions notre communion avec ceux et celles qui se branchent, si j'ose dire, sur YouTube. Je voudrais vous souhaiter aussi une bonne fête de l'Ascension. J'ai mal prononcé YouTube, non ? Ah, très bien, bon. Je dis fête de l'Ascension. Je ne serai pas là avec vous. Rassurez-vous, je ne pars pas en vacances. Mais je vais aller célébrer cette fête dans une communauté religieuse où les sœurs ont aussi beaucoup de mal à pouvoir participer à l'Eucharistie. Dimanche prochain, 24 mai, il n'y aura pas la messe le matin ici, mais de façon exceptionnelle, à 15h30, avec quelques prêtres, quelques personnes, nous célébrerons la messe chrismale. L'importance de bénir les huiles saintes et de consacrer l'huile du Saint-Crème qui est utilisée, comme vous le savez, pour différents sacrements. Ensuite, j'espère que le ciel pourra rester clément et nous verrons ce que nous pourrons faire à la Pentecôte. On ne saura malheureusement que dans les derniers jours. Mais avec mes collaborateurs et collaboratrices, je fais tout pour vous maintenir au courant de ce que moi-même je sais et de vous le partager. Donc, confiance, courage, persévérance. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions. Prends-nous dans ton cœur.